quand on a quelque chose en soi qui ressemble à un cœur, on apprend à vivre avec ça et tout devient meilleur. Quelquefois ça porte malheur, on le brise parfois, mais j'ai pourtant moi le bonheur et mon cœur est à toi. J'ai pourtant moi le bonheur et mon cœur est à toi. Et je m'en vais au gré du jour, je m'en vais chanter l'amour encore plus fort. Quand on a quelque chose en soi qui ressemble à un cœur, on apprend à vivre avec ça et tout devient meilleur. Quelquefois ça porte malheur, on le brise parfois, car j'ai pourtant moi le bonheur et mon cœur est à toi. C'était un sol dièse, dis donc. Ah oui, c'est un sol dièse. Faut le faire. Ben voyez, je suis contente que vous ayez entendu Dave. Je voudrais que maintenant que tu nous parles de toi. Oui. Hollandais. Pas d'importance. 24 ans. 24 ans, oui. Alors raconte, pourquoi tu as quitté ta Hollande? Eh ben j'en avais marre quoi, de rester. J'ai acheté un bateau pour chercher le soleil. Parce que pendant 21 ans de ma vie, je voulais le soleil qui manque pas mal chez nous. Alors, avec un ami que j'ai eu la chance de rencontrer, on a acheté un bateau, on a quitté, on a descendu vers le Méditerranée, on a fait le tour. Et là où la chanson rentre, c'est que pour manger, pour acheter du mazout pour mettre dans le moteur, on chantait. On chantait dans les bars. Ça veut dire l'été sur la terrasse, l'hiver comme on faisait trop froid, dans le nightclub. Et ça marchait très bien. Mais un jour, il n'y avait pas de raison de l'arrêter, mais un jour, je suis rentré dans un petit port à côté de Toulon. Et là, je suis tombé amoureux d'un breton. D'un breton. D'un bâton breton. Oui, parce que sinon, il aurait eu un chapeau rond, c'est pas ça. Non, bah oui, c'est ça. Bon. Pas mal, mais bon, non, d'un bateau breton. Et pour l'acheter, d'ailleurs je l'ai acheté tout de suite, mais il faut le payer après, quand on achète quelque chose, c'est un problème. Il y avait un problème que vous connaissez peut-être tous, en tout cas, il y a sûrement quelques spectateurs qui le connaissent, c'est pour les problèmes de traite. Il fallait payer. Tout courant. Oui, voilà, il fallait payer des traites. Ben, ça ne marchait pas dans le rue. On gagnait assez pour bouffer, pour bien même. Pour le mazout, mais pas pour les traites. Mais pas pour les traites. Alors, mais j'étais en retard, très très en retard, et on voulait saisir le bateau. J'ai dit, bon, mais il n'y a qu'une solution, tout le monde dit que je chante plus ou moins bien, on va voir la maison de disques s'il y a bien un assez intelligent pour payer le bateau. J'ai resté avec cette maison. Alors tu es venu à Paris pour payer le bateau, les traites et le mazout. Eh oui, ça marchait d'ailleurs. Il n'y aurait pas eu de bateau, j'en ai pas ce garçon là mais maintenant je suis dans ce métier et je chante quoi. Et tu chantes bien. Moi je voudrais lui demander s'il est auteur, Dominique Reznikov, et interprète. Oui, je fais mes chansons. Ça, je suis trop feignant pour apprendre les chansons des autres, je pense. Mais c'est pourtant difficile, ça prend du temps quand même de faire des chansons. Oui, mais je préfère écrire des chansons sur pleurer, c'est une manière de s'exprimer. Vous savez qu'il chante depuis... on va lui poser cette question. Je voulais lui demander quelque chose. Mick, oui. Tout à l'heure, tu lui as demandé son âge. Et tristement, il a répondu 24 ans. Pourquoi? C'est trop vieux ou trop jeune, 24 ans? Ah non, j'étais très content quand j'étais 14. J'ai 10 ans déjà trop vieux. Il est déjà 10 ans... Il a commencé à 14 ans, lui. Il a commencé à 14 ans. Donc, il chante depuis 10 ans, mais d'une façon assez insolite. C'est un vieux, même. Hein. C'est un vieux métier, quoi. Ça va vite. C'est un vieux loup de mer. Il y a d'autres choses dans la vie qui t'intéressent, à part le bateau? L'amour, oui. Monsieur Amoroso, monsieur, le docteur Amoroso qui est psychanalyste, un des plus célèbres, je crois, d'Europe.
Et je voulais demander à Dave, justement, ils viennent de préciser qu'il avait un petit accrochage affectif. Il adore cette enfance à laquelle tout semble le retenir. Je voudrais lui demander le port de cette magnifique chevelure, inhabituelle pour les gens de son sexe, par exemple. Est-ce le fait d'une... Pas tellement. Tout cas maintenant, disons, oui. un peu anormal. Oui. Est-ce le fait d'une propension commerciale? Est-ce d'une opportunité souhaitable? Ou au contraire, est-ce une réponse involontaire? Ah, son sexe mâle, refuse-t-il en un mot ou... Non, c'est très facile, il ne faut, faut pas chercher trop loin. Voilà ce que je voudrais dire. Le personnage en un mot que nous avons entendu tout à l'heure, chanterait-il avec autant de talent, de conviction, de dynamisme s'il avait une coiffure, disons, beaucoup plus brève? C'est une question plus que valable, répondez. Oui, mais je me plairais moins parce que je me plais plus avec des cheveux longs. C'est important de se plaire parce que je me coiffe, je me rase, je me vois tout le temps. Et je me plais comme ça, alors il n'y a pas d'autre raison. Donc au fond, ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous, spectatrices, mais pour faire plaisir à lui. Oui, mais si c'est très important. Ça tombe pas mal. C'est du narcissisme. Autrement, alors. C'est nous, mais... Et si moi j'ai des grands ciseaux et que je vous coupe les cheveux maintenant? Mais vous allez voir, mais, des fois, il y a des femmes naturellement, ou des filles, quoi, qui veulent bien essayer. Alors je les mets derrière, on va pas le faire maintenant. Hein. Et ils vont dire non, laissez-le comme ça. Alors je le laisse. Je vous en prie, monsieur Lafargue. Je voudrais savoir pourquoi vous portez des lunettes. Parce que je vois rien sans. C'est une raison, bon. Mais quand on chante, on a besoin de lunettes. Je vais vous dire, j'essaye... Si j'enlève la lunette, j'ai quelque chose de cherchant dans les yeux. Et je cherche en fait rien du mais tout. Mais vous ne verrez plus le public, comme ça vous pourrez imaginer. Ah, en tout cas, on voit le public, on ne voit pas le public. Si vous avez déjà essayé de chanter, c'est trop noir, on ne voit rien. Monsieur, si on voit quand même après. J'aurais voulu savoir si vous considérez votre accent comme un handicap ou comme un avantage dans votre carrière en France. C'est-à-dire, est-ce que dans 10 ans, vous aurez toujours le même accent ou est-ce que vous allez le perdre? Parce que les accents ont souvent porté bonheur en France. Oui, mais je voudrais... perdre l'accent, j'aime pas tellement qu'on voit tout de suite que je suis étranger. Et d'ailleurs, en chantant, j'ai le temps de travailler sur l'accent, pas en parlant naturellement. Alors j'espère d'en voir de moins en moins sur les disques déjà. C'est déjà plus facile, on peut reprendre et tout ça. En parlant, bon, on dit que c'est charmant, je sais pas, mais je veux bien. Mais je veux pas être tellement hollandais, non? Il faut le dire encore parce que ça fait pas longtemps que je suis en France. Mais le fait que je suis hollandais, pour moi, ça n'a aucune importance. Et en Hollande, est-ce que l'on vous connaît? Oui, ça veut dire que je vais faire, je participe au final pour l'Eurovision, pour les chansons de l'Eurovision, là, bientôt. On me connaît un peu, on me connaît parce que, à cause du bateau plutôt, parce que cette histoire de bateau, tout le monde le connaît. À cause du breton. Moi, je voulais justement lui demander ce qui était devenu le breton. Comment? Ce qui était devenu le breton. Mais heureusement, je l'ai toujours d'ailleurs. J'ai un contrat pour assez longue durée avec ma maison de disques, mais je peux peut-être me cacher avant, je ne sais pas. Je voudrais revenir aussi sur les lunettes et la frange. Je trouve que ça obscurcit le visage et il me semble que les deux, ça fait trop. Alors voilà. Nettement mieux. Nous pourrions demander à... Je viens chanter un son. Et en plus, on va poser. On peut demander à Jean-Claude, qui est tout de même... il est nettement mieux sans lunettes. Haute coiffure, il peut nous donner un... Mais les cheveux, moi, ça ne me choque pas. Ah non, moi, les cheveux non plus. Mais les lunettes et les cheveux, c'est trop. C'est trop, oui, parce qu'on ne voit plus le visage. Fais voir que je te regarde. Mais je vais être chanteur à voix, mais je ne vais pas être miné. Sans être miné, vous avez de très beaux yeux bleus, il ne faut pas les cacher. Oui, mais je ne vois rien avec, c'est bien beau d'abord. Carmen Bajot. Typiquement miné, alors c'est en contradiction avec ce que vous me dites. Non, pas de caractère. Mais il n'a pas donc, une donc, Monique Duchel. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt de savoir de quelle façon Dave a pris contact avec une maison de disques. J'étais dans le métro le 7 décembre à 5h et je devais payer avant la fermeture de poste le 7 décembre. Je suis allé faire Sablon et j'ai trouvé une maison de disques. J'ai chanté deux chansons, dont une que j'ai donnée après à Nicoletta qui l'a enregistrée, ce qui a apporté le droit d'auteur. Et l'autre, c'était I Believe de Frankie Lane. Et ce monsieur-là a dit, bon, je te donne un contrat. J'ai dit, oui, mais c'est pas ça, c'est pas tout, il me faut ça. Et il l'a donné aussi. Je voudrais vous demander quelque chose. Je vais vous demander à Dave de nous chanter une autre chanson. Et vous, maintenant, vous allez voir s'il peut être chez vous, sur vos ondes. Quel qu'il est bien votre coup, maintenant, Dave, chante-nous une autre chanson, une autre facette. Quand nous nous sommes quittés, j'ai souri comme un grand. Et j'arrive à cacher mes soucis comme un grand. Comme des grands, nous partagions tous les biens que nous avions.
reste ami pour la vie comme un grand. Je te dis au revoir sans te voir comme un grand. Comme des grands, nous partagions tous les biens. Espoir comme un enfant, et j'oublie ma fierté pour pleurer comme un enfant.